On a un gros savoir-faire ancestral et industriel aussi, du coup, qu'on porte depuis des années. Aujourd'hui, on est fabricant de porcelaine, que ce soit pour l'art de la table ou le culinaire. Et on vend de la porcelaine aujourd'hui partout dans le monde. On est très connu des Français, mais au niveau plutôt professionnel. Donc il y a beaucoup de restaurateurs qui travaillent avec nous. Alors le projet consiste en fait simplement à ouvrir nos portes au grand public, faire découvrir notre savoir-faire, faire découvrir les caractéristiques de la porcelaine en proposant des visites d'usine avec un parcours de visite pendant que les salariés travaillent, venir vraiment au contact des salariés. Donc le projet va consister à travailler une signalétique, travailler un parcours sécurisé et une scénographie dans nos anciens fours, pour faire vraiment découvrir tout notre patrimoine industriel. Oui, je suis attaché à Pilvit parce que Pilvit m'a permis de continuer à m'exercer dans mon métier et à me perfectionner dans ce domaine. L'émaillage, c'est le brillant de la porcelaine, c'est ce qu'on donne de brillant. Quand on émaille la pièce, c'est pour donner le brillant à la porcelaine. Donc c'est une entreprise familiale, une entreprise qui a plus de 200 ans et qui a un énorme savoir-faire. La renommée mondiale, le gage de qualité, c'est une belle initiative. Faire venir plus de monde pour connaître l'entreprise, faire découvrir notre patrimoine et découvrir toutes les étapes de fabrication de la porcelaine. Je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est vraiment de soutenir l'industrie et le savoir-faire français. Et nous soutenir dans ce partenariat, c'est s'inscrire dans la défense d'un patrimoine commun, je dirais un patrimoine français. Et il faut être fier de ce qu'on sait faire et il faut le défendre.